compter tous ensemble, je compte sur vous. Départ dans 10 secondes. Allez, attention. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Une fois que vous serez à l'arrivée, il n'y aura pas de soucis. Ça va bien se passer. Régalez-vous au cœur de la forêt. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est directement sur le parcours, on est sur le maxi cross à 27 km. On n'a pas pu filmer trop avant le départ parce que pour son retour à la compétition, Manon a décidé de faire les choses en grand. Et du coup Manon, est-ce que tu peux nous dire où tu étais à 2 minutes du départ? Aux toilettes. Ouh, un petit pipi d'avant course. Voilà. Donc le speaker annonçait départ dans 2 minutes et donc on faisait la queue aux toilettes. Donc c'était un peu précipité, mais c'est bon, on est parti, bien parti même. Et je peux vous dire que elle cavale vite. Donc on est parti pour un peu plus de 3 heures d'effort et on vous emmène avec nous. C'est parti. Et je confirme que Manon est dans une forme olympique. J'ai un peu de mal à la suivre, j'avoue, surtout sur les portions plates. Mais tant mieux. Donc voilà, on se ravitaille et on est reparti pour la deuxième moitié de course. Bon, dernier kilomètre, Manon, comment ça va? Super parcours. Je monte bien un cadeau, ça glisse bien, des belles montées, des belles descentes. Vraiment un super parcours. On a été régulier, pas de coup de mou. Franchement, une super course. Pas de coup de mou pour elle. Et super agréable de partager ça ensemble, de retrouver la compète. Voilà. Et rien de plus à dire, à part que je suis personnellement très étonné de sa capacité à courir comme ça après avoir accouché il y a à peine 5 mois, mais ça je l'ai déjà dit. Et donc on finit tranquille, on vous emmène avec nous dans le dernier kilomètre. Et effectivement, comme disait Manon, c'est hyper agréable de courir à deux, ça faisait très longtemps qu'on attendait ça. Et du coup un grand merci à Aurélien qui nous permet de courir tous les deux réunis aujourd'hui. Donc merci et bravo pour l'orga. Allez, on l'enchaîne un petit peu quand même, parce que c'est trop deuxième quand même. Là, il faut revenir l'année prochaine pour faire la première fois, la première marche. Et donc, la victoire dans un temps de 4 heures.